folie de l'espace, peur de la nuit absolue, du silence absolu. Tu as déjà entendu parler de politique chez l'insecte. Monsieur Gorello. Allez-y, je vous écoute. Docteur, je fais que des cauchemars. Allongez-vous, racontez-moi. Ces mots se sont égarés. Égarés aux confins de son esprit. Laisse sur lui l'eau s'écouler et emporter le mal qui l'atteint. Sa langue a été liée et enroulée. Dans sa gorge, laisse sur lui l'eau s'écouler. Et avec elle emporter sa détresse. Fais que sa voix se réveille. Laisse l'eau sur lui s'écouler. Et de la confrontation avec les hommes, les sages, les mages, la sorcellerie prend forme par des rituels et procédés magiques, propres à l'individu et sa légère métaphysique. Et de la confrontation avec les hommes, les sages, les mages, la sorcellerie prend forme par des rituels et procédés magiques, propres à l'individu et sa légère métaphysique. Vous les avez cru brûlés ou disparus, alors que j'entends encore les salles sombres enfumées, guidées par la pratique de l'égrégore. Quand la magie s'opère, c'est une réelle et indépendante entité qui s'éclaire. J'ai depuis longtemps une formule à trois molécules, l'humain comme pantin, les machines contre un et l'esprit qui annule toutes sortes d'envoûtements. La télépathie chez les enfants fonctionne plus qu'avant et fabrique des adultes consentants. On m'appelle le meneur de l'eau, guérisseur marabout. Mais par quel bout me prendre, par quel bout me prendre seul face à l'institution, je me moque de l'inquisition de ses prières. Chasse aux sorcières, opposé à tout régime imposé. Le virtuose ose, usé coutume bouleversée. Mystère impossible à percer, sablier insensé qui s'égrène à mon gré pour mieux vous sublimer. Né de la confrontation avec les hommes, les sages, les mages, la sorcellerie prend forme par des rituels et procédés magiques, propres à l'individu et sa légère métaphysique. Né de la confrontation avec les hommes, les sages, les mages, la sorcellerie prend forme par des rituels et procédés magiques, propres à l'individu et sa légère métaphysique. Je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner une licence. Je peux leur apprendre mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même enfermer la mort dans un flacon. Besoin d'être de manœuvre, ni de près ni de loin, les sorciers ont tous quelque chose en commun. L'amour de la musique et un côté magique. On répète tous dans les mêmes salles crasseuses pour y chanter, non pas les berceuses. C'est comme une cérémonie chelou pour éviter la monotonie. Avec blabla, rumeur de la formidable envie d'ailleurs. Un sort pour inscrire dans les cœurs, quoi, l'amour, la force de rancœur. Homme hypnotisé, un sort qu'on m'a jeté, une carte forcée, ce tour dévoile la vérité. Nos labos sont remplis d'écrits depuis des millénaires. On dit que les sorciers sont dangereux, leur morale est bourrée d'enjeux, discours à contre-courant. À chaque époque, l'apprenti se moque des élites, des nacs, des nids, des coups de baguette magique. De la misère, le sorcier entretient mystère, pris pour bouc émissaire, je reste contestataire, accusé de tous les maux, je me ride de l'interdit, jette le discrédit sur le pouvoir qui me contredit. Oui, la prose que je te livre, hypnose et enivre, tu te sens vivre, c'est ce qui fait que je vibre, c'est ce qui anime ma fibre, ma zique magique, mon trip est mystique, lyrique, sonérique et prolifique pour sorcier maléfique. Et de la confrontation avec les hommes, les sages, les mages, la sorcellerie prend forme par des rituels et procédés magiques, propres à l'individu et sa légère métaphysique. Né de la confrontation avec les hommes, les sages, les mages, la sorcellerie prend forme par des rituels et procédés magiques, propres à l'individu et sa légère métaphysique. Monsieur Gorello, Monsieur Gorello. La nuit.
Ha 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 ha!